Autour de chez moi, les vaches sont encore là, dans les champs. Mais pour combien de temps? Après les poulets et les cochons, il paraît que c'est à leur tour de suivre la voie de l'agriculture industrielle. Depuis 50 ans, ma région, la Bretagne, est une terre d'élevage. Ici comme ailleurs, les fermes grossissent et se concentrent. Mais demain, que restera-t-il? Dans le Finistère, voilà l'évolution du nombre de fermes laitières depuis les années 70. C'est l'histoire d'un lent plongeon, rythmé par les crises et la marche en avant du progrès. Elles sont moins de 2000 aujourd'hui. Et si je continue la courbe, en 2050, il pourrait bien n'en rester qu'une. La ferme d'Erwan et Yonel est à 4 km de chez moi, dans le pays de Douarnenez. Deux associés, 80 vaches, ils sont en plein dans la moyenne du département. En conventionnel, comme le gros des troupes, et livrant leur lait à la Sodial, la plus grosse coopérative laitière française. Malgré les crises de ces dernières années, ils tiennent encore. Là, tu les connais tous, là? Les noms aussi ou juste les numéros? Non, que les noms. Les numéros, pas trop justement. Il y a qui là? Plus des noms. Jacuzzi. Marquise. Celle-là, c'est Noisette. Et un CC. Moi, je connais les stars. C'est vraiment sympa. Et les cons. Mais autrement, les autres qui sont entre les deux, qui ne disent jamais rien, eux. Moi, je demande à Erwan. Allez. Tirez où qui remet? Ouais, ce coin-là, c'est drôlement vidé aussi. Kerzuliek, il y avait trois aussi. Trois. Il n'y en a plus aucune. Kerloez, il y en avait deux. Il n'y en a plus aucune. Kerriaven, il y en avait deux. Il n'y en a plus. Nous, on voit directement que le milieu agricole est en train de disparaître. Et tout le monde s'en fout. Nous, on est là, on bosse. Combien de temps, c'est pas? Ouais, voilà, et puis après nous, il n'y aura peut-être plus personne non plus, quoi. Comme ça s'est fait pour... les anciens, quoi. Mais nous, on n'est pas maître du prix auquel on vend nos produits. On nous l'impose. Bon, bah, quand t'as enlevé donc, tes coûts de production, tes emprunts, quoi, tes coûts de fonctionnement de l'entreprise, bah, si après, à côté de ça, ton prix n'est pas payé, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup pour savoir qui va manquer de l'argent au bout. Une, puis une. Qui compte le lent mouvement des fermes qui disparaissent? Il y a les retraites, les faillites, et parfois même des suicides.